Salut à tous, vous le savez, sur la chaîne Les News, on aime bien de revenir un petit peu comme ça sur des acteurs qui ont marqué notre jeunesse ou tout simplement qu'on a aimé voir à la télévision. Et il en est un qui fait partie de ceux-là, c'est Gérard Filippelli, le membre du Charlot, célèbre groupe vocal humoriste des années 70. Il est décédé le mardi 30 mars 2021 d'un cancer. Et c'était son complice de toujours, son ami Jean Sarus, qui avait fait la triste annonce ce jour-là. Celui qu'on surnommait souvent Phil, puisqu'ils étaient deux Gérard dans les Charlots, était chanteur, guitariste, compositeur, acteur, scénariste et producteur. Il est malheureusement le deuxième membre de la formation à déjà disparaître après le décès de Gérard Rinaldi, lui, en 2012. C'est une énorme page qui se tourne, on était plus qu'une bande de copains, on était une famille, on a vu grandir nos enfants. De nos 20 ans à nos 40 ans, on a connu l'insouciance totale au cinéma ou sur scène par nos chansons, a déclaré Jean Sarus, précisant que le chanteur-acteur avait succombé à l'hôpital d'Argenteuil d'un cancer. Né en 42 à Paris, c'est à Châteauroux que Gérard rencontre en 66 Jean Sarus et Gérard Rinaldi qui l'embauchent alors comme régisseur de leur groupe Les Problèmes. En effet, au départ, les Charlots s'appelaient Les Problèmes et ils ont très rapidement été engagés par plusieurs vedettes de l'époque pour les accompagner sur scène. Il devient rapidement guitariste, soliste en même temps que chanteur et compositeur de la formation vouée à un grand succès grâce aux nombreuses émissions de variété à la télévision de Guy Lux ou Daniel Gilbert. Il prend alors, comme je vous l'ai dit, le surnom de Phil au sein du groupe. À partir de 1970, la carrière des Charlots explose carrément au cinéma avec La Grande Java de Philippe Clair aux côtés de Francis Blanche. Cette même année-là, Gérard Filippelli va perdre son épouse dans un accident de voiture. Le groupe enchaîne alors succès sur succès au cinéma jusqu'en 75 avec Bon Baiser de Hong Kong, Divan Chiffre, tout en menant parallèlement une carrière musicale. Durant leur gloire, le quartet, voire quintet, a rassemblé jusqu'à 7 millions de téléspectateurs avec Les Bidas en Folie de Claude Zidi. La suite, vous le savez, a été un petit peu moins florissante après la séparation du groupe en 76. Gérard accepte de réintégrer les Charlots une année plus tard, réduit donc à un trio en créant Choucroute International Productions, consacrée au cinéma et à la musique. Gérard tournera avec Jean Sarus un dernier film en 92, Le Retour des Charlots, avant de se séparer en 1997. Le dernier film, Le Retour des Charlots, ils auraient mieux fait de ne jamais le tourner. Entre 2009 et 2011, Gérard Rinaldi et Jean Sarus reforment les Charlots en duo à l'occasion de la tournée Âge tendre et Tête de bois, sans Gérard Filippelli qui s'est retiré de ses activités artistiques pour profiter pleinement de cette retraite bien méritée.